Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avez-vous déjà retrouvé des vidéos souvenirs de mauvaise qualité sur votre PC ou un ancien disque dur? Dans ce cas, c'est assez frustrant de ne pas pouvoir redécouvrir ces moments précieux dans la meilleure qualité possible. De plus, nous sommes maintenant tous habitués à des vidéos en haute définition et la majorité des téléviseurs actuels sont compatibles avec la 4K. Si vous souhaitez donc améliorer la résolution de votre vidéo en passant de la Full HD à la 4K, ce tutoriel est fait pour vous. Dans cette vidéo, nous allons donc découvrir deux méthodes pour augmenter la résolution de notre fichier d'origine et ainsi améliorer le rendu. Mais avant de commencer, posons-nous la question suivante. Qu'est-ce que l'upscaling va apporter à ma vidéo? La mise à l'échelle d'une vidéo implique l'ajout de plus de pixels pour s'assurer que l'image soit plus nette. Pour comparer, une vidéo en Full HD possède 2 millions de pixels et une vidéo en 4K en a environ 8 millions. C'est donc 4 fois le nombre de pixels de la Full HD, ce qui rend l'image plus nette et plus détaillée. Pour cette première méthode, nous allons utiliser un outil spécialisé dans l'upscaling vidéo qui se nomme 4DDIG Video Enhancer AI. C'est donc un logiciel conçu spécifiquement pour cet usage, puisqu'il permet d'augmenter la résolution de votre vidéo jusqu'à la 4K en utilisant une intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle va analyser votre vidéo et apporter plus de détails à celle-ci pour un résultat final détaillé et de bien meilleure qualité. Pour commencer avec ce logiciel, rendez-vous sur le site officiel de 4DDIG pour le télécharger et l'installer. Ouvrez ensuite 4DDIG File Repair, puis sélectionnez Améliorateur d'IA dans le menu de gauche et enfin appuyez sur Améliorateur vidéo. Ensuite, faites un glisser-déposer de votre vidéo ou cliquez sur l'onglet « Ajouter des vidéos » pour les ajouter dans la fenêtre du logiciel. À partir du panneau de droite, vous pouvez personnaliser les paramètres vidéo tels que les modèles d'amélioration ainsi que le choix de la résolution souhaité. Si vous voulez passer d'une vidéo en 1080 pixels vers une résolution en 4K, il faudra sélectionner le multiplicateur x4 dans la section résolution. Par contre, si votre vidéo a une résolution inférieure, la résolution de sortie est indiquée en dessous du multiplicateur de résolution pour avoir une idée de la qualité finale de la vidéo. Enfin, sélectionnez le mode priorité à la qualité pour obtenir le meilleur résultat possible. Enfin, appuyez sur le bouton Début de l'amélioration pour lancer le traitement de la vidéo. Pendant l'analyse, vous pouvez comparer l'avancement de l'amélioration depuis l'aperçu des résultats. À la fin de l'analyse, si le rendu vous convient, vous pouvez exporter la vidéo pour l'enregistrer sur votre ordinateur. Pour cela, appuyez sur Exporter tout en bas à droite pour sauvegarder vos fichiers sur votre PC. La seconde solution consiste à utiliser un logiciel de montage vidéo tel que Adobe Premiere Pro ou encore DaVinci Resolve et qui permet de faire le rendu de votre vidéo dans une résolution supérieure à votre fichier d'origine. Vous y trouverez également diverses fonctionnalités
qui amélioreront la qualité globale de votre vidéo en appliquant des retouches ou des effets comme la suppression de bruit ou la stabilisation vidéo. Ce sont donc des fonctions présentes la plupart du temps, mais qui demandent une maîtrise du logiciel assez avancée. Pour cet exemple, je vais uniquement aborder le sujet de l'augmentation de la résolution avec le logiciel DaVinci Resolve. DaVinci Resolve a été pensé pour offrir une interface adaptée à chacun de nos besoins. Pour cette utilisation, nous allons simplement nous rendre sur la page dédiée au montage. Nous allons maintenant ajouter notre vidéo à la timeline pour l'ajouter à notre projet. Pour cela, vous pouvez simplement faire un glisser-déposer ou l'ajouter depuis le menu du haut en vous rendant sur l'onglet Fichier, puis Importer et enfin Média. Ensuite, nous devons cliquer sur l'onglet situé en haut à droite qui se nomme Inspecteur. Si rien ne s'affiche pour vous, n'oubliez pas de sélectionner votre vidéo dans la timeline. En bas de ce menu, nous retrouvons la fonction d'Upscale Vidéo que nous devons activer pour améliorer la résolution de notre vidéo. Maintenant, nous allons faire le rendu de notre vidéo. Pour cela, il faut se rendre sur la page d'exportation, symbolisée par une fusée, en bas du logiciel. Sur la gauche de cette nouvelle page, nous devons choisir le format de fichier adapté à nos besoins. Pour aujourd'hui, nous allons simplement sélectionner une résolution supérieure à notre vidéo. Je sélectionne donc la résolution 3840 par 2160 pixels dans la ligne résolution. Maintenant, cliquez sur le bouton situé en bas à gauche pour l'ajouter à la liste d'exportation. Enfin, et pour terminer, cliquez sur le bouton Tout exporter. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne gratuitement grâce au bouton présent sous celle-ci et mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Pour les personnes souhaitant apporter du soutien à la chaîne, vous avez la possibilité de rejoindre la communauté grâce au bouton « Rejoindre ». N'oubliez pas que la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. Alors n'hésitez plus à inventer le vôtre. Je vous dis à la prochaine. C'était Chris. Ciao.